Les propriétés de l'aubergine pour perdre de la graisse abdominale. Les propriétés de l'aubergine en font l'un des légumes les plus nutritifs que vous pouvez trouver dans votre marché local et il est parfait pour ceux qui suivent un régime strict ou qui veulent mincir. Elle entre dans la préparation des recettes les plus diverses, elle se cuisine aussi bien au four, que cuite à la vapeur ou sautée avec un peu d'huile d'olive. Découvrez les propriétés de l'aubergine pour perdre de la graisse abdominale dans notre article. L'aubergine, un de vos meilleurs alliés pour mincir. Il existe bien de nombreux fruits et les légumes qui peuvent vous aider à atteindre votre objectif de perte de poids, notamment dans la zone abdominale, mais l'aubergine a des pouvoirs vraiment particuliers. Ce fruit, à la belle couleur violet foncé et avec une saveur si caractéristique, n'est pas que très faible en calories, mais il apporte également de nombreux bienfaits pour notre santé. Il est bon de savoir que l'aubergine doit être consommée uniquement cuite, car crue, elle est toxique pour notre organisme, et vous causera de vrais désagréments stomacaux. La couleur de ce légume est due aux anthocyanines qu'elle contient, qui font des merveilles pour notre santé. Parmi les propriétés de l'aubergine, on trouve des antioxydants, des minéraux, comme le potassium, et des vitamines. Pour 100 g de légumes vous n'aurez que 20 calories, et pourtant cela vous apportera une grande sensation de satiété, idéale dans l'optique de perdre du poids. Comme si cela ne suffisait pas, les aubergines contiennent également une grande quantité d'eau. Elles vous permettent d'améliorer votre circulation sanguine, vous apportent des fibres pour dépurer votre organisme, vous aident à réduire vos niveaux de sucre dans le sang et vos taux élevés de cholestérol. Ce légume est un excellent diurétique qui permet d'éliminer la rétention d'eau. L'aubergine améliore la production de bile, prévient l'anémie et est très bonne pour la peau. Utilisée en application cutanée, elle calme les douleurs provoquées par les coups de soleil. Il est utile de savoir que ses propriétés ne changent pas que l'aubergine soit cuite à la vapeur, au four, à la plancha ou à la poêle. À l'inverse, elle ne doit pas être panée, frite ou consommée avec des sauces trop grasses. Le jus d'aubergine pour un ventre plat. Cette recette est très simple, mais surtout très efficace pour perdre du poids et éliminer la graisse abdominale disgracieuse. Suivez ces étapes. Lavez tout d'abord puis séchez une grande aubergine, ou deux petites, puis coupez-la en petits cubes. Mettez-la dans une casserole moyenne et recouvrez d'eau jusqu'à la moitié du légume environ. Mettez sur feu vif et laissez bouillir pendant 5 minutes, puis laissez reposer jusqu'à ce que le tout refroidisse. Filtrez ensuite l'eau dans un récipient, de préférence en verre. L'aubergine bouillie pourra être utilisée dans d'autres recettes. Refermez votre récipient en verre et mettez-le au réfrigérateur. Buvez 4 verres de ce jus d'aubergine par jour. Vous pouvez le mélanger avec un jus naturel d'orange. Le premier verre doit être bu avant le petit déjeuner, et le dernier juste avant d'aller vous coucher. Réalisez ce traitement durant au moins 2 semaines, en utilisant toujours une aubergine nouvelle à chaque recette. Une autre recette de jus d'aubergine. Cette recette est similaire à la précédente, mais elle se prépare directement avec du jus d'orange. Prenez une grande aubergine, ou deux petites, ainsi que 2 oranges.
Coupez l'aubergine en 7 morceaux égaux, et extrayez le jus des oranges. Mélangez le tout et buvez-en au petit déjeuner. Ne mangez rien jusqu'à l'heure du déjeuner. Répétez l'opération tous les jours durant 2 semaines. N'oubliez pas de suivre un régime hypocalorique, de faire de l'exercice physique 3 fois par semaine et de boire 2 litres d'eau par jour pour que ce traitement fonctionne. D'autres recettes à l'aubergine. Si vous souhaitez mincir et que vous ne savez pas trop quoi manger, vous pouvez profiter des propriétés de l'aubergine et en plus, vous en aurez plusieurs qui vous resteront après avoir réalisé vos jus d'aubergine. Pour cela, jetez un œil aux recettes suivantes. Roulé d'aubergine farcie. Vous aurez besoin des ingrédients suivants. Une grande aubergine. Une carotte. Une pomme verte. Une cuillerée de sauce soja. Un demi-citron. Une cuillerée d'huile de tournesol. Une pincée de piment en poudre. Du sel et du poivre. Épluchez la carotte et la pomme, coupez-les en fines juliennes, puis ajoutez la sauce soja, le jus de citron, le sel, le poivre et laissez mariner. Coupez les aubergines en tranches dans le sens de la longueur, assaisonnez-les avec du sel et du poivre, puis cuisinez-les à la plancha avec très peu d'huile, à feu doux, jusqu'à ce qu'elles deviennent tendres. Mettez-les dans un plat, ajoutez la farce de carottes et de pommes, et roulez votre aubergine. Les aubergines grillées. Les ingrédients pour 4 portions sont 2 aubergines, 100 ml d'huile d'olive, 3 gousses d'ail hachées finement, du sel et du poivre noir, 4 feuilles de laurier, une cuillerée de thym. Coupez tout d'abord les aubergines en rondelles, de la même épaisseur approximativement. Mettez-les ensuite dans un plat allant au four et ajoutez de l'huile d'olive, du sel et du poivre. En dernier lieu, ajoutez l'ail, le thym et le laurier. Mettez au four durant 15 minutes. Le caviar d'aubergine. Cette recette venue d'Orient est une entrée délicieuse, et très faible en calories. Point parfait pour profiter des propriétés de l'aubergine. Les ingrédients sont les suivants. 2 aubergines, de l'huile d'olive, 2 gousses d'ail, du jus de citron, du sel, du poivre et du cumin selon votre goût. Coupez tout d'abord les aubergines en rondelles, sans leur peau, et faites-les cuire à la plancha jusqu'à ce qu'elles soient un peu dorées. Coupez-les en petits cubes. Puis mettez-les ensuite dans un mixeur en y ajoutant le jus d'un citron, l'ail haché, l'huile d'olive et les condiments. Mélangez bien jusqu'à obtenir une belle pâte.
les aubergines farcies aux épinards et au riz complet. Les ingrédients dont vous aurez besoin sont 2 aubergines, 2 tasses de riz complet, une botte d'épinards, une carotte, un oignon, deux cuillerées d'huile d'olive, du sel et du poivre. En option, du jambon et du fromage. Coupez tout d'abord les aubergines en deux de matière horizontale, puis faites-les cuire au four durant 30 minutes. Pendant ce temps, faites le riz. Et videz ensuite les aubergines et hachez la pulpe. Faites revenir, dans une poêle avec un peu d'huile, les oignons, les carottes et les épinards. Mélangez enfin la pulpe d'aubergine avec le riz. Utilisez le tout pour farcir les peaux d'aubergine cuites au four. Faites gratiner avec du fromage ou quelques tranches de jambon dégraissé. Et voilà, vous savez comment profiter des propriétés de l'aubergine.